Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Aujourd'hui, avec mes invités, nous allons nous plancher sur deux thématiques. Vous connaissez le procédé, hein, l'émission scindée en deux parties. La première sera consacrée à un effet de mode, j'ai envie de dire un phénomène qu'on observe aujourd'hui dans la société, le régime, la perte de poids ou la prise de poids. Pourquoi est-ce important de faire un régime? Comment réussir ce régime? On en parle en première partie d'émission avec mes invités du jour. En deuxième partie d'émission, nous allons rentrer un petit peu dans ce qui est culturel ou moderne, hein, c'est selon. Évidemment, nous allons parler du deuil. À la perte d'un être cher, il est parfois difficile de tourner la page, mais comment surmonter la perte d'un être cher? Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités, ils sont là sur le plateau de Génération News. Plaisir hein, de recevoir pour la première fois sur ce plateau, David, vous êtes étudiant en commerce international. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Et à vous de m'avoir invité ici. Et nous allons également le plaisir de recevoir une autre habituée hein, de ce plateau Génération News, Dominique, étudiante en marketing digital. Toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé, Régis. On reçoit également des nouveaux, hein, ils sont là. Il s'agit de notre ami Achille. Achille, vous êtes juriste de formation, en fait diplômé hein, en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation des médias. Moi qui vous remercie. Et on termine avec la nouvelle également de ce plateau. Il s'agit de Rose Emmanuel, étudiante en communication et médias. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. On va parler un petit peu de ce procédé-là, de cette pratique. Il s'agit évidemment du régime. Le régime, perte de poids ou prise de poids. David, je me tourne vers toi. Est-ce que tu as déjà essayé? Est-ce que tu as déjà une fois essayé cette pratique-là, le régime? Bon, pour ma part, j'ai déjà essayé le régime, mais ce n'était pas pour perdre du poids. C'était pour essayer de me remettre dans les aliments sains. D'accord. Parce que la plupart des nourritures que nous mangeons, telles que les aliments rouges, ne sont pas souvent bons pour notre corps. Ouais, la viande. Voilà, la viande. Bon, après, ça dépend. Pour les sportifs, en général, on demande de manger beaucoup de viande parce que derrière, il y a assez de protéines quand on veut prendre du muscle. Bon, oui. Évidemment, ouais. Oui, dans la mesure où ils font du sport, voilà, ils essayent. Bon, ils compensent en fait. Ouais. Or que nous sommes là à la maison, à l'école, on essaye un peu de. Bon, on ne fait pas réellement de sport comme ces sportifs. Donc, ce qui fait que le plus souvent, ça bouche les tuyaux sanguins. Et lorsque nous n'y remédions pas à ça, ça peut nous entraîner des maladies comme L'AVC et tout le reste, voilà, les maladies cardiovasculaires. Donc du coup, oui, toi, tu l'as fait, c'était beaucoup plus pour avoir un corps sain dans un esprit sain ou un esprit sain dans un corps sain, histoire d'avoir un peu de la diététique, comme on dit, manger équilibré. Ouais, parce qu'il y a une différence entre manger bien et bien manger. Voilà. On va revenir un petit peu, Rose Emmanuel, sur ce procédé, cette pratique, le régime. Quelle est la perception que tu as? Est-ce que tu comprends un peu ces personnes-là qui décident d'en faire? Personnellement, je suis tout à fait d'accord avec ces personnes parce que dans la mesure où tu ne te sens pas à l'aise avec ton corps, tu as pleinement les droits de faire ce qui te plaît normalement. Tu peux soit prendre du poids, bien évidemment, soit en perdre. C'est la façon dont tu conçois ton corps et la façon dont tu te sens quand tout simplement sens bien, bien dans, voilà. dans ce corps-là. Est-ce qu'il n'y a pas un peu des risques, selon toi, ma chère Rose? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de cette pratique-là, le régime? Quand on voit un petit peu ce que beaucoup de jeunes filles ou bien des adultes s'infligent un petit peu pour arriver à prendre des kilos ou en perdre, est-ce qu'il n'y a pas des risques? Si, beaucoup, parce que je pense qu'il y a beaucoup de bon, je dirais pas de femmes uniquement, parce qu'il y a aussi des hommes, il y a des garçons. Bah, David est là, c'est la preuve que oui, les hommes aussi s'intéressent au régime. Ouais. Exactement, il y a des personnes qui sont un petit peu dans l'abus, bon, je dirais pas dans l'abus, mais qui se perdent un peu, parce que après, la perte du poids, ça devient comme une obsession. Tu veux tellement perdre du poids que tu ne t'alimentes plus bien, c'est-à-dire. Je prends le cas des anorexiques qui, après la perte de poids, devient vraiment continuelle dans leur tête, ce qui crée une maladie notamment physique, mais aussi mentale. Oui, physique, donc, parce qu'il n'y a qu'à voir hein, comment ils sont en général ces personnes-là.
On a l'impression que, voilà, très mince, très, très, très mince. On reste toujours dans le procédé, mon cher Achille. Elle parlait tout à l'heure un peu de se sentir bien dans sa peau. Est-ce que quelque part aussi, il n'y a pas le regard de la société qui pousse certaines personnes à aller vers des régimes dans le sens de perdre du poids ou bien en prendre? Parce que n'oublions pas que la société nous dicte parfois des modèles en nous disant qu'un homme, il n'est pas censé être enrobé, un homme est censé avoir des muscles, d'avoir des plaquettes de chocolat. Quoique nous, on a juste un chocolat, hein, c'est pas grave. Mais est-ce que quelque part aussi, c'est pas un peu la société qui dicte un peu les lois concernant ce régime-là, cette pratique? D'abord, merci pour la parole accordée. Donc, tout d'abord, recevez mes civilités les plus dithyrambiques et courtoises à tous les copanélistes. D'accord. Et à vous, l'animateur, merci. Donc, avant que de répondre à cette question, il faut d'abord faire une rétrospective sur ce qui est fondamental. C'est-à-dire que pourquoi on est arrivé à ce niveau-là. C'est une question très fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut regarder des éléments qui nous ont permis soit à prendre du poids ou à en perdre. Donc, ça peut être d'ordre physique ou encore psychologique. Ouais. Voilà. Parce que suite à des événements, on peut être amené à prendre du poids. Elle parlait d'être anorexique. Ça aussi, c'est très important. Oui, parce qu'il y en a, quand on sort d'une relation, ça a été difficile, on décide de ne plus, on se prive de tout. Voilà. Donc, ça peut être psychologique comme physique, dû aux éléments que l'on consomme. Donc, après ça, il faut tout à fait observer également qu'est-ce que l'on consomme. Quels sont les aliments qu'on peut consommer, soit pour perdre du poids ou prendre du poids. Voilà. Donc, il y a des aliments qui ont un excès de lipides, par exemple des graisses et autres, qui vont nous permettre de prendre du poids. Maintenant, pour ceux qui veulent en perdre, il y a une alimentation riche en fer, par exemple. Il faut se reposer, il faut faire du sport, par exemple, comme il disait, c'est très important. Ouais. Donc, c'est des éléments comme ça, qu'il faut observer. Enfin, voilà. Est-ce que pour ça, on a besoin, quelque part, on a besoin d'aller voir des spécialistes pour? Parce que si on est à la maison et qu'on va un peu sur Google, comme tu l'as dit, qu'on demande de prendre un peu des lipides et tout le reste, est-ce que c'est pas bien d'aller voir directement un spécialiste en prise de poids ou en perte? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui sont dans la diététique qui vont nous aider un petit peu à consommer les bons aliments. Oui, tout à fait. Il faut voir des spécialistes en nutritionnisme. Voilà, des médecins qui sont spécialistes dans ce domaine qui pourront justement vous orienter à prendre des aliments adéquats pour ça, pour perdre du poids ou bien pour en prendre, ça dépend. Dominique, le régime, prise ou perte de poids, est-ce que tu as déjà essayé de faire un régime? Si oui, tu nous diras comment ça s'est passé, le processus. Ensuite, est-ce que derrière ce régime, il y a un effet thérapeutique? Tout à l'heure, Rose Emmanuel parlait de se sentir bien dans sa peau. Est-ce que quelque part, il y a cet aspect aussi qu'il faut faire ressortir derrière la pratique en elle-même? Oui, j'ai déjà essayé de faire un régime. Est-ce que ça fonctionnait? Pas comme je le voulais. Et là, c'était pour prendre du poids ou en perdre? C'était pour en perdre. D'accord. C'était pour en perdre. Je me trouvais un peu trop enrobée à l'époque. Et oui, il y a le côté thérapeutique du régime alimentaire, c'est de se sentir bien dans sa peau. Comme l'a dit Rose, on fait un régime parce que si tu ne te sens pas bien dans ta peau, tu décides de perdre ou bien de gagner du poids. Donc, quand je me mets à faire un régime, c'est parce que je veux me sentir bien. C'est souvent comme une prise en main, en fait. Ça se fait... Par exemple, on est en début d'année, certains ont mis dans leur résolution de faire un régime parce que voilà, ils veulent se sentir mieux dans leur peau. Donc oui, c'est thérapeutique. Ça prend combien de temps? Je veux dire, un bon régime pour s'accrocher à nos thématiques, comment réussir son régime? Je pense qu'un bon régime doit être long. Ouais. Oui, mais long, une estimation quoi, 6 mois Je pense que ça dépend des objectifs. D'accord. Quand on parle de perte de poids, perdre du poids en un mois en utilisant par exemple des thés amincissants, c'est très dangereux pour la santé. Tu ne vas pas perdre 10 kilos en un jour, c'est monstrueux, tu veux mourir. Donc je pense que cela dépend des objectifs, mais on doit retenir qu'un bon régime, ça prend du temps. Il faut vraiment, parce que ce sont des habitudes alimentaires qui doivent rester. Ouais. Et surtout si on conçoit de, par exemple, perdre du poids pour la durée. Je veux vraiment perdre ces kilos pour de bon, pas juste parce que je me mets dans la peau d'un acteur pour un rôle. Mais là, par exemple, je veux vraiment changer de vie, je veux être mince. Tu sais que tu dois pas seulement dire « je mange pas des burgers, etc. » mais tu dois dire que si je décide de moins prendre de lipides ou des glucides, je dois pas me fixer des objectifs un peu trop...
irréaliste en fait. Mmh. Il faudrait que ces habitudes, je puisse continuer avec ces habitudes dans le temps en fait. Pourquoi pas toute ma vie ? Mmh. Et c'est difficile, je veux dire, bon, si tu l'as souligné, c'est un peu difficile parce que dans le, ça s'étend quand même, c'est très long. Si on parle de 6 mois, voire plus, pour avoir évidemment des résultats attendus en ce qui concerne ce régime-là, évidemment que c'est assez compliqué. Rose-Emmanuel, est-ce que toi, tu as déjà vécu l'expérience par procuration ? Je veux dire, est-ce que tu as déjà assisté à une de tes copines ou bien la sœur, la grande sœur qui faisait un régime ? Et comment tu l'aidais à arriver à, ces, à cette finalité-là ? Personnellement, j'ai jamais eu d'amis ou de sœurs qui veulent faire un régime, mais j'ai souvent vu sur le net ou voilà, sur Instagram, etc., des personnes qui s'engageaient à perdre du poids, notamment. J'ai plus vu les gens perdre du poids qu'en prendre, bien évidemment. Et la plupart du temps, ces personnes, bah, elles se fixaient des objectifs parce que leurs conditions, on va dire, leurs conditions physiques étaient un petit peu, je dirais pas énormes, mais c'était vraiment trop pour moi. Bon, quand je voyais certaines vidéos, leur corps était pas... Je prends l'exemple où il y a certaines personnes qui naissent comme ça avec des hormones qui font en sorte qu'ils prennent énormément de poids. C'est pas dû parce qu'ils mangent beaucoup, ouais, etc. On en connaît, de toute façon. C'est leur corps humain. Donc, j'ai vu énormément d'hommes comme de femmes qui se sont retrouvés avec une masse corpulence. Voilà, une grosse corpulence et énormément de poids. Ils se sont fixés des objectifs parce qu'ils voulaient absolument se sentir mieux. Parce que non seulement ils avaient honte de... Bon, je dirais pas d'eux-mêmes, mais honte de ce que les gens pensaient dans leur entourage. Si on regarde la société dont on abordait, on a parlé, toi. Ils en avaient énormément honte, donc ils se sont forcés à perdre du poids, notamment en faisant du sport, en limitant les aliments qu'ils mangeaient chaque jour. Et voilà. On parle, oui, Dominique. Mais quitte à parler des thérapies, il faudrait aussi dire que ce n'est pas juste à cause de la société que quelqu'un décide de faire un régime. Comme tu as parlé, il y a les cas de surpoids, etc. C'est vraiment la santé qui t'impose maintenant une perte de poids. Et d'ailleurs, en parlant de santé, en général, quand tu vas voir consulter un médecin, c'est parfois le point qu'il te rappelle en disant, écoutez, il serait mieux pour vous de perdre du poids, surtout si tu n'es pas grande de taille et que derrière, parce que oui, la taille va avec le poids aussi. Donc en général, les médecins demandent à ces personnes-là de revoir un peu leur poids, d'où le régime. On va revenir un peu sur toujours ce principe, mon cher David. On parlait tout à l'heure de ces personnes-là qui décident de vraiment perdre du poids au point de devenir très mince, on s'inquiète même. Il y a un domaine, le mannequinat par exemple. Le mannequinat, c'est on recommande, on demande à ces femmes-là de ne pas prendre du poids. Est-ce que c'est pas un peu malsain quelque part de forcer ces personnes-là à faire du régime pour obtenir un boulot ? Ou c'est tout à fait logique ? Bon, pour le mannequinat, sachant que c'est un domaine qui exige un corps assez fin. Donc pour ma part, je pense que si tu veux être mannequin, tu es obligé de suivre ces conditions-là. C'est la condition pour être mannequin. Si tu ne peux pas, autant ne pas être mannequin. Oui, mais quand même, de là à dire à une personne que, écoute, le régime, tu dois devoir te marier avec parce qu'on te veut avec 37 kilos et non avec 80. Bon, heureusement qu'aujourd'hui, il y a des compétitions qui compensent un peu tout ça parce qu'il y a des compétitions réservées uniquement à ces femmes, dites rondes. On va revenir sur le processus. Dominique, ce serait peut-être bien déjà que tu nous expliques un peu comment tu vivais, toi, ton régime. Comment ça se passait ? Est-ce que tu mangeais beaucoup plus, je sais pas, des fruits ? Comment ça se passait ? Explique-nous un petit peu le processus. À vrai dire, c'était plus un supplice. D'accord. Parce que, à l'époque, c'était vraiment le regard de la société. C'était plus en mode, oh, Dominique, tu as grossi. Et je me mettais en tête, OK, il faudrait que je perde du poids. Donc, j'y allais un peu en désordre. Du genre, je vais rater un repas ou bien je vais décider de ne plus prendre de café sucré, etc. C'était un réel supplice. De toute manière, j'ai abandonné après. Ouais, mais oui, mais c'était comment ça se passait, je veux dire, comment tu mettais en pratique ce régime-là ? Est-ce que tu avais des heures où tu ne devais pas manger ? Est-ce que tu buvais beaucoup plus d'eau ? Est-ce que tu avais un petit peu vidé ton frigo pour remplacer avec David parlait de la bonne nourriture, les nutriments qu'il faut. Est-ce que tu étais beaucoup plus dans ça ? Comment tu vivais, toi, ton régime ? C'est ce que nous, on veut. Justement, c'était un réel supplice parce que je n'avais pas la méthode. D'accord. Je n'avais pas la méthode. Pour moi, le seul moyen de perdre du poids, je me disais, c'était de ne pas manger.
manger. Mmh. Alors que y a d'autres techniques. Et comme on en a parlé avec Rose, y a cette affaire d'hormones. Il y a des personnes qui sont naturellement rondes. Mmh. Ils sont ronds. C'est comme ça que le Seigneur vous a créé. Donc, si vous décidez de ne pas manger, il y a des fois je le faisais, mais je ne perdais même pas de poids en fait. Ouais. Je pouvais sauter un repas, sauter deux repas, ne manger qu'une seule fois par jour et n'observer aucun résultat. Et pourtant, j'étais en mouvement, j'étais vraiment en activité, mais aucune perte de poids. Est-ce que ce n'est pas là aussi la crainte un petit peu de cette pratique-là, le fait de se lancer dans le régime, mon cher Achille, le côté un peu addictif? Parce qu'il y en a qui essaient des régimes encore et encore. On essaie la première fois, ça ne marche pas. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Est-ce que l'autre danger un peu de cette pratique, ce n'est pas là? Est-ce que ça ne se situe pas à ce niveau-là, le fait que derrière, le régime devient un petit peu addictif? Oui, tout à fait, parce que on a toujours tendance à faire que lorsque ça ne marche pas, on essaie. Oui, le essayer encore. Après, on peut arriver à des conséquences, justement. On peut arriver à des conséquences. C'est pourquoi il est mieux de consulter un médecin, de ne pas se jeter comme ça. Il faut vraiment consulter. Oui, parce que Dominique parlait de méthode. Elle n'avait pas la méthode, justement, pour arriver à ce régime-là. Le manque d'informations. C'est surtout ça aussi. Ouais. Il faut consulter les spécialistes dans le domaine. Mais après, en parlant du mannequinat, il faut savoir que, comme je disais tantôt, il faut toujours vouloir les conséquences de ce qu'on veut. Pour arriver à des fins, il faut prendre certaines mesures et suivre un certain procédé de manière stricte. Mmh. Donc, c'est un peu ça. Revenons un peu sur cette pratique-là, Rose, Emmanuel. Alors, beaucoup prennent des produits chimiques, on l'a souligné également. David en a parlé un petit peu de manière, il a survolé un petit peu cette problématique-là. Il y en a qui prennent beaucoup de produits chimiques pour perdre du poids ou bien pour en prendre. Est-ce que la solution, c'est d'aller vers ces produits chimiques ou simplement revenir au naturel? Ici, il y en a qui, pour perdre du poids, c'est du gingembre avec du citron, avec du clou de girofle et tout le reste. Est-ce que ça, c'est pas plus sécurisé que d'aller prendre des produits chimiques, ma chère Rose? Je pars du principe où les produits chimiques que la personne utilise, bien évidemment, doivent être prescrits notamment par un médecin. Mmh. Ouais. Je prends le cas si on part dans une pharmacie, qu'on donne une ordonnance, que le médecin nous a prescrit, et on nous donne le médicament adéquat qui va soit nous faire perdre du poids, soit nous faire en prendre. Mmh. Maintenant, les autres substances, bien évidemment, que d'autres personnes utilisent pour la perte du poids, je trouve ça notamment très dangereux d'abord pour la santé, parce qu'après, ça cause énormément de dommages, normalement, notamment sur l'organisme et sur la longue durée. Parce qu'après, ce sont des trucs auxquels tu peux devenir accro et après, tu ne peux plus t'en passer. Et après, ça devient addictif et tu ne peux plus en sortir. Maintenant, la meilleure solution pour une personne qui souhaite perdre du poids avec des substances, ce serait notamment d'aller en pharmacie ou du moins de demander de l'aide à un médecin pour avoir plus d'informations, pour éviter... Bon, est-ce qu'on ne peut pas demander de l'aide à un moment? Je dis, même la grand-mère a toujours des petites... Il y a des astuces, il y a peut-être des petits secrets comme ça. Je pense que si tu demandes à un moment comment on fait pour prendre du poids, elle te dira, écoute, c'est simple, pas besoin d'aller en pharmacie. Il suffit de faire ça, il suffit de faire ça, il suffit de faire ça. On va revenir un peu sur ce regard de la société aussi, parce que comme on l'a dit, David, on est dicté aussi quelque part par ça. Tout à l'heure, Dominique a pris une phrase en disant, ouais, mais Dominique, tu as grossi. En général, ce sont les autres qui te rappelle que tu as pris du poids ou bien que tu as perdu du poids. Est-ce que quelque part aussi, tout ça, ça ne nous rassure pas? Est-ce que ça ne nous met pas aussi dans une position un peu difficile? Tout à fait. C'est le regard des autres qui pousse certaines personnes à essayer de perdre du poids. Ouais. Par exemple, bon, moi, je ne vais pas dire que c'est plus à cause des gens. Bon, moi, c'était plus pour essayer de faire le vide. Oui, mais est-ce que, par exemple, tu as déjà eu des retours par rapport à ta corpulence? Est-ce que les gens te trouvaient trop gros, trop enrobé, au point où tu t'es dit, je vais essayer de perdre quelques kilos pour ne pas donner raison à ces personnes-là? Oui, oui. Un temps, j'avais un peu pris de poids. J'avais pris du poids, mais après ça, j'ai eu à faire, on va dire, une cure de désintox parce que je ne mangeais que des légumes avec du citron. D'accord. Donc, ça m'a permis vraiment de perdre beaucoup de poids et après ces mêmes gens qui m'ont revu ont crié que waouh, tu as vraiment perdu, qu'est-ce qui se passe? Je dis bof, c'est rien, c'est
C'est juste des aliments que je me suis dit que je devais reprendre à consommer. Oui, parce qu'en Afrique, quand même, quand tu perds du poids, tout de suite, tu es malade. C'est voilà, tout de suite, tu souffres. Tout de suite, il y a un problème. Et quand tu prends du poids, tout de suite, ça va mieux. Ça c'est va peut-être mieux. Que tu as de l'argent, tu es dans une situation financière plutôt très stable. Bon, c'est comme disait la petite blague, c'est que si tu me dois de l'argent et tu grossis, c'est un manque de respect. Donc, c'est un peu ce qu'on a, parce que pour certaines personnes, tu es censé être dans des problèmes au point de maigrir. Mais bon, revenons, Dominique, sur ce régime-là, on l'a souligné, tu l'as dit, c'est très lent. Est-ce que aussi, quelque part, le régime aussi, elle parlait d'information. David parlait de manque d'information, mais je veux dire aujourd'hui, tout le monde est spécialiste sur les réseaux sociaux. Il n'y a qu'à voir des pseudo-médecins qui viennent sur les réseaux sociaux pour dire « Ah, tu veux prendre du poids ? Ben, fais ceci, fais cela. » Et derrière, il y a eu plein de conséquences, parce qu'il y a eu des gens qui sont morts, malheureusement. Quand tu as une personne qui te dit « Ouais, tu veux prendre du poids, associe tel aliment à tel aliment, or… » Les deux ne sont pas censés être dans la même bouteille. Est-ce que aussi les réseaux sociaux ne sont pas, on va dire, un peu ces canaux-là qui détruisent un peu ces personnes qui veulent aller dans le sens de perdre du poids ou en prendre? C'est problématique. Toutes les informations ne sont pas bonnes. Et le problème, c'est que dans cette culture de l'information, on est légitimé par le contenu et non pas par la spécialité, non pas par la connaissance. C'est quand même qu'il y a beaucoup de followers et tout ça là qui viennent te dire non, il faut boire le vinaigre à jeûne le matin. Oui, s'il y a 15 000 personnes qui like, toi aussi tu vas te dire qu'il faut boire. Mais non, c'est un poison. Je pense que même en ce qui concerne tout ce qui est chimique, etc., moi je pense que tout ce qui en vaut la peine n'est jamais facile. Donc, le remède miracle, en mode tu vas maigrir en 2 mois, en fait, c'est pour en arriver où, en fait? Quelque chose, tu veux un résultat dans la durée et puis tu veux un résultat dans la durée et puis tu maigris en 1 mois ou tu prends du poids en 1 mois. Ça n'a pas de sens, ce n'est vraiment pas logique. Et puis, une parenthèse, les gars, on a tous les miroirs chez nous. Hein. Donc, j'ai maigri, j'ai grossi, ne t'inquiète pas, je suis au courant. Non, mais c'est surtout que les Ivoiriens disent, est-ce que dans ma grosseur, là, il y a ta part de... Voilà, donc j'ai grossi, j'ai grossi. Mais c'est des remarques parfois qui sont gênantes aussi. Ah, parce que comme tu l'as dit, on a le miroir, on sait qu'on a pris du poids. Donc, le fait de nous le rappeler, ça ne nous aide pas, au contraire, ça nous hérite. Bon, je ne parle pas en connaissance de cause, hein, évidemment, mais c'est un petit peu ça. Achille, c'est vrai qu'elle parlait tout à l'heure un petit peu de ce procédé-là, le fait que derrière, il y a des gens un petit peu sur les réseaux sociaux qui donnent des informations qui sont parfois erronées concernant le régime. Et comment corriger ça? Comment corriger tout ça, en fait? Est-ce que ça part de nous-mêmes d'abord, de se dire, ah tiens, mais cette personne-là... Parce qu'il y a des gens, comme tu l'as dit, hein, Dominique, à partir du moment où il y a 16 000 likes sur l'astuce, on se dit, c'est bon. Mais comment corriger ça, mon cher Achille, selon toi? Oui, je pense que pour corriger ça déjà, c'est quelque chose de personnel, tu vois. On a souvent l'habitude de suivre les masses. On a toujours l'habitude de suivre ce que tout le monde dit facilement ou quelqu'un qui est très suivi. Mais ce que la personne qui est très suivie dit n'est pas forcément pertinent ou crédible. Donc autant il y a le regard de la société, autant aussi il y a des personnes influentes, donc pseudo spécialistes, ouais, ils sont nombreux là sur les réseaux sociaux, donc, c'est toujours pas bien d'écouter ça et puis chercher à voir peut-être un spécialiste ou une personne qui a eu déjà à suivre un régime et qui a marché. Mais après, il faut aussi savoir que ça dépend de l'organisme de tout un chacun. Ça dépend de l'organisme. Tu peux maigrir en 1 mois, en 3 semaines ou d'autres, il va faire peut-être 8 mois et tout. Voilà, donc le métabolisme n'est pas le même. Il faut faire très attention aussi à ça. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, en fait, notre régime ne marche pas, Rose Emmanuel, parce qu'il y a des gens pour qui le régime ne marche pas. Et d'ailleurs, on a la preuve là sur le plateau, Dominique, ça n'a pas marché le régime. Du coup, pourquoi en général ça ne marche pas, selon toi, ma chère Rose? Au-delà du point peut-être souligné par Achille, l'organisme, c'est vrai que chacun, on n'a pas le même organisme, heureusement d'ailleurs. Si on allait aussi essayer des régimes, ça n'allait pas marcher comme Dominique. Mais oui, écoute, on va te taquiner hein, avec le régime. Mais du coup, oui, pourquoi ça ne marche pas selon toi? Personnellement, peut-être d'abord par rapport au manque de volonté. On va d'abord laisser le truc de l'organisme et peut-être par rapport au manque de volonté d'abord parce que
si tu fais un truc pour plaire aux autres, tu le fais pas pour toi-même. Et donc, tu as moins de... Je sais pas, t'as pas très envie de le faire. Genre, tu te dis que je vais juste le faire pour quelqu'un ou pour que les gens m'apprécient. Et puis voilà. Mais alors que c'est pas du tout comme ça que ça doit fonctionner. Si tu fais un truc, c'est-à-dire si tu prends du poids, c'est que tu vas prendre du poids pour toi parce que tu veux prendre du poids, parce que tu veux bien te sentir dans ta peau. Si tu perds du poids, c'est que tu veux aussi le faire également pour toi, pas parce qu'on va te trouver plus jolie ou plus beau ou plus attirant. Est-ce que tu le dis parfois à tes copines qui viennent vers toi, te dire ah, tiens, Rose, j'ai envie de faire un régime? Est-ce que tu arrives souvent à rassurer ces personnes en se disant « pas besoin, tu es très belle dans ta peau » Est-ce que tu as ce discours-là? J'ai une amie donc, que j'ai depuis le lycée qui est, je dirais pas grosse, mais quand même, bon oui. Ouais, elle est enrobée. Elle est enrobée, elle est ronde. Ouais, ouais. Et elle a jamais eu honte d'elle en fait. Elle a jamais eu honte de son poids. Elle s'affirme, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook. Et moi perso, je l'aime beaucoup et j'admire beaucoup ce qu'elle fait parce qu'elle elle m'inspire. Parce que moi, on m'a souvent dit que j'étais mince. Et quand je vois à quel point elle est fière de son corps et de comment elle l'assume, je trouve ça notamment admirable pour elle et pour toutes les personnes aussi qui l'assument, parce qu'énormément de personnes la félicitent par rapport au fait qu'elle s'assume autant. Et en parlant d'assumer quelque chose, les amis, à Rose, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite de l'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons tout de suite parler un petit peu de ce moment très difficile. Hein. Je pense que chacun, on est déjà un peu passé par ce moment-là. Ce moment, c'est le deuil, la perte d'un être cher. Dominique, comment on y arrive? Je veux dire, déjà, comment on se sent? Je pense que tout le monde, on connaît un peu cette sensation. Mais comment on arrive à surmonter ça? Comment on arrive à tourner la page? Est-ce que déjà c'est possible de tourner la page quand on a perdu quelqu'un de très cher? Je pense que déjà quand on apprend le décès d'un être cher, on est effondré. On est effondré, on est anéanti. Parfois on est en euphorie, totale euphorie, tu n'y crois pas, il y a du déni. Mais je pense que, est-ce qu'on peut tourner la page? Je pense que la douleur peut être amoindrie. Parce que cette personne a existé, cette personne ne sera plus là, il y aura toujours un vide. Mais je pense que la douleur qu'on ressent au début de l'annonce de cette perte-là peut être avec le temps atténuée. Rose, tu partages son avis ou bien tu essaies de relativiser un petit peu le temps? C'est vrai que le temps pense les blessures, mais est-ce que le temps répare tout selon toi? Je suis d'accord avec ce qu'elle a dit dans la mesure où quand c'est par exemple une personne qui a énormément compté dans ta vie, c'est pas facile que du jour au lendemain tu puisses oublier cette personne. Je prends l'exemple sur un papa, une maman, un frère, une sœur, c'est très difficile. Maintenant, avec le temps, bien évidemment, les choses évoluent, tu vas avancer. C'est vrai que la personne aura toujours une place dans ton cœur, aura toujours des souvenirs, des photos, des vidéos, etc. Mais le but, c'est d'avancer, de te dire que la personne, ce qu'elle veut, c'est te voir heureuse et aller droit devant. C'est beaucoup plus un travail personnel, David, une forme d'introspection, de se dire, comme disait ma chère Rose Emmanuelle, la personne de l'autre côté doit être fière de nous. C'est les genres de phrases comme ça qu'il faut avoir tout le temps dans la tête, dans l'esprit, histoire de se motiver à tourner la page, même si c'est un peu difficile, hein, souligné par nos femmes sur ce plateau. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut y arriver sur le processus? Moi, je pense que c'est la seule manière qui va nous permettre de pouvoir continuer à avancer dans la vie. Parce que sincèrement, c'est une étape vraiment qui n'est pas souhaitée, même à son pire ennemi. Ouais. Tu es déjà passé par cette étape? Oui, oui. D'accord. Et du coup, comment... Oui, vas-y. Lorsque j'ai perdu ma grand-mère en 2010, je devais passer... 2010-2011, je passais les épreuves sportives du BPC. D'accord. C'était vraiment compliqué pour moi. D'accord. C'était compliqué. Et à cette période, je devais aller prendre... on appelle ça comment, la tension. Et ma tension était vraiment élevée. Ouais. Donc c'était compliqué pour moi, mais avec le temps, ça
Aujourd'hui, ça me fait moins mal qu'à cette période. Donc, est-ce que comment tu l'as vécu? Je veux dire, c'est vrai, déjà, comment tu as appris le décès de ta grand-mère? Est-ce que quelque part aussi, les parents étaient là? Est-ce que maman était là? Est-ce que papa était là? Les grandes sœurs, les frères, pour t'aider justement à surmonter cette perte? Oui, tout le monde était là. Tout le monde était... Bon, la plus touchée, c'était maman, hein, parce D'accord. que c'était sa maman. Donc, vraiment, on était là. Ça s'appelle comment, ta maman? Maman Claudine. Non, d'accord. On passe le bonjour à Maman Claudine. On espère que tout va bien aujourd'hui, évidemment. Oui, ça va mieux. Mm-hmm. Vraiment, on était là pour se serrer les coudes les uns les autres et continuer à avancer. Sans ça, c'est vraiment compliqué. Parce que s'il faut rester figé sur ça, franchement, c'est des dépressions, des maladies qui vont survenir par rapport à ça. Donc, le mieux, c'est de continuer à avancer malgré la douleur. Alors, il y a une personne que vous connaissez très bien aussi, je ne sais pas, hein, pour les curieux, les amoureux de la lecture, Albert Camus. On l'a tous connu avec le célèbre livre L'étranger. Albert Camus, en tout cas, disait dans l'un de ses œuvres, qui est L'envers et l'endroit, hein, qui est un très bon livre aussi, qui disait qu'en fait, c'est très difficile pour ne pas se souvenir d'une personne, c'est d'éviter d'attacher des souvenirs de cette personne-là à quelque chose, en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, mon cher Achille, si tu as perdu, je ne sais pas, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette position-là, la perte d'un ami, d'un proche, tout simplement? Est-ce que tu as déjà vécu un peu cette sensation difficile, ce trou noir? Bah ouais, tout à fait. D'accord. Et du coup, comment toi, tu l'as surmonté? Est-ce que c'était difficile pour toi, par exemple, à chaque fois qu'il y a une musique qui passait, tout de suite, tu avais le souvenir de la personne? Est-ce que tout ça aussi, c'est pas un peu compliqué, le fait d'attacher un souvenir, ou bien d'attacher une personne à un souvenir? D'accord. Ok. Donc, dans un souci de renchérissement, il a été dit que le temps peut panser les blessures, mais après, ça dépend. Souvent, il y a des obstacles. Exemple, une musique. Comme tu l'as si bien dit, une musique, un objet. Oui, une phrase, un moment bien précis, un endroit aussi. Qui fait en sorte que, peut-être malgré le temps, il y a ces éléments-là qui font en sorte que, à chaque fois, il y a une rétrospection qui te fait penser à la personne à chaque fois, ça aussi. Maintenant, il y a d'autres arguments, une autre éthique funéraire qui dit qu'il faut évacuer ça, il faut en parler. Ça aussi, c'est très important. Il faut peut-être penser à la personne. Il faut de l'aide d'un proche. Ouais. Il faut en parler. Est-ce qu'on a cette culture, selon toi? Est-ce qu'on a cette culture en Afrique de s'ouvrir à l'autre pour évacuer tout ce qu'on a emmagasiné? Je veux dire, est-ce que toi, par exemple, tu allais te confier à quelqu'un pour libérer un petit peu tout ce que tu avais dans le cœur et dans la tête? Non, pas du tout. C'est vrai que mais c'est pas trop dans notre culture, mais c'est très important toujours. C'est très important parce qu'on dit en psychologie qu'il faut toujours évacuer ses émotions pour qu'elles s'en vont. Parce que plus on le garde dans notre subconscient, plus ça revient à chaque fois. Donc il faut en parler, il faut des personnes pour nous donner des conseils, pour nous aider à évacuer ça. Et justement, est-ce que il faut aller dans ce sens-là, Dominique, aller voir un psychologue qui va nous aider justement à faire sortir tout ce qu'on a emmagasiné? Ce qu'il faut en parler, ce qu'il faut aller consulter? Moi, je pense qu'il faut en parler. Parce que, comme il a dit, dans le subconscient, quand tu n'as pas conscience de ça, tu ne sais pas, tu as même certaines actions, certains troubles dans le langage qui sont liés en fait à tous ces traumatismes, qui sont liés à cette douleur-là. Donc oui, il faut savoir aller vers des personnes pour pouvoir faire ressortir cela en fait. Je parlais du déni. C'est pas en n'y pensant pas, on ne se rend pas la chose, que la chose va disparaître ou qu'elle ne sera plus là. Il faudrait vraiment se mettre en tête que cet être est parti et je dois absolument mener des actions en fait pour pouvoir me débarrasser de ce deuil, mais pour pouvoir aller mieux. Est-ce qu'on se débarrasse totalement, mon cher David? Mais en parler sur le coup, c'est très dur, hein. C'est pas facile. C'est franchement pas facile parce que là, même sur le coup,
tu as du mal à t'exprimer, tu parles en bégayant et tout. Voilà. Ouais, tu perds tes mots parce que il y a beaucoup de souvenirs qui remontent. Bon, c'est pas le but de l'émission, hein, les amis. Donc soyez tranquilles, hein, c'est pas le but de l'émission, mais c'est bien d'en parler parce qu'il y en a qui ont du mal justement à tourner la page. Et en parlant de ces personnes-là, ma chère Rose Emmanuelle, il y a tout à l'heure Dominique a utilisé l'expression d'oublier. La vraie question, c'est est-ce qu'on arrive vraiment à oublier quand on voit certaines personnes, par exemple, pour ne pas rompre totalement avec la personne décédée, on a tendance à verser dans l'hommage. C'est-à-dire que si on est maman, si notre papa s'appelait Vincent, ben notre fils va s'appeler Vincent Junior pour marquer effectivement cet attachement toujours à la personne décédée. Vous comprenez? Tu comprends un peu ce procédé-là, ce principe-là? Oui, parce que déjà, c'est impossible d'oublier, surtout quand c'est une personne qui a énormément compté. Comme je disais tout à l'heure, un papa, une maman, un grand frère, une grande sœur, c'est très difficile d'oublier. Et aussi, si on a la possibilité de se rappeler de cette personne avec une musique, un t-shirt, ou une photo, ou un, je sais pas, peu importe. Bah, c'est d'ailleurs ce qui se passe, loin de vouloir t'interrompre, hein, Rose Emmanuelle, c'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui quand on assiste, enfin chez nous en Afrique de manière générale, quand on assiste à des veillées mortuaires, et il y a toujours la petite photo de disparus sur les t-shirts ou sur les pagnes, parce qu'il y en a qui vont un peu très loin, sur les porte-clés et tout le reste. Donc il y en a qui veulent vraiment marquer le souvenir, marquer la perte. Oui, je te laisse terminer, ma chère. Ok, c'est très important de s'attacher surtout à ces petits trucs qui peuvent être insignifiants mais qui sont hyper importants, parce que si c'est par exemple un papa, une maman et tout, et que tu as ces petits souvenirs, par exemple tu te dis que il y a ce parfum que ma maman mettait avant, et je dis pas que tu vas maintenant prendre le parfum tout le temps et que tu vas le mettre, mais parfois l'avoir sur toi, le sentir et tout, ça va te rappeler ta maman. C'est bien souvent d'avoir énormément de souvenirs, d'objets de nos proches. Et par rapport aux hommages, c'est vrai, comme vous avez dit, il y a beaucoup de familles en Afrique qui utilisent les prénoms ou les noms de famille d'un parent décédé et tout, et c'est important. Moi, j'ai le nom de mon arrière-grand-mère. D'accord. Et je suppose qu'on me l'a donné par rapport à mon hommage à elle. On me dit souvent qu'on est un petit peu pareil, donc c'est hyper important. Ouais, au Sénégal, on dit souvent que lorsqu'on est, on hérite du nom d'une personne, on hérite aussi ses caractères. C'est très, donc peut-être que oui, elle était timide, ton arrière-grand-mère. Je sais pas. Bon, c'est sûr. Alors Dominique, pleurer soulage, pleurer libère, pleurer aide à passer à autre chose. Jusqu'à quand on doit pleurer, ma chère Dominique? Jusqu'à ce qu'on soit totalement passé à autre chose. Waouh, c'est une grosse question, ça. Quand est-ce qu'on doit pleurer? Je pense que... Non, est-ce qu'au moment, on doit continuer à pleurer tout le temps pour surmonter la perte? Ou bien, à un moment donné, on se dit, c'est bon, on doit arrêter de pleurer? Parce qu'il y en a qui pleurent encore des années, la perte d'une personne, parce que pleurer, ça aide, comme on l'a dit, ça soulage. Mais est-ce que ça soulage vraiment? Est-ce qu'à un moment donné, il faudrait pas qu'on arrive, on arrête de... Est-ce qu'on va pas réserver nos larmes pour autre chose? Déjà, physiquement, c'est épuisant. De pleurer, tu as pleuré aujourd'hui. Pendant un mois, tu es en train de pleurer, ce qui est sûr, c'est que tu auras des poches sur les yeux. Et franchement, tu vides l'eau de ton corps. Hein. Donc, oui, à un moment donné, il faut prendre une décision. On peut se permettre de pleurer. Pleure autant que tu veux, mais à un moment donné, tu dois dire assez. Tu dois forcément aller mieux. Écoute, cette personne est partie. Elle ne reviendra plus. C'est vrai, c'est dommage. Elle, sa vie s'est terminée. Toi, ta vie continue. Donc, tu ne vas pas à chaque fois... continue à pleurer, tu dois mener des actions maintenant pour aller mieux. D'accord. Oui, vas-y, Rose. Pour suivre ce qu'elle a dit, par rapport au fait de pleurer, je trouve que, comme tu as dit, c'est pas bien de pleurer tout le temps, matin, midi, soir, assis debout, couché. C'est pas ça le but. Mais je prends dans la psych, où par exemple, je prends un exemple, je touche du bois, que ça arrive pas, tu as perdu ton papa, c'est ton mariage, bien évidemment, à un moment donné, tu vas pleurer parce que tu vas te dire que j'aurais aimé que mon papa soit là. Ouais, remise de diplôme. Premier enfant. Son anniversaire qui va passer, ouais. Et il n'est plus là. C'est vrai que c'est pas un truc qu'on contrôle, tu vois, c'est normal de pleurer, tout le monde pleure. Et je pense que c'est un petit peu ça le problème qu'on a en Afrique, c'est qu'on a tendance à se dire qu'une personne qui pleure, que surtout un homme, c'est faible. Ouais. Alors que c'est pas du tout le cas, tout le monde a le droit de pleurer. Je dis pas de pleurer tout le temps, mais
si tu te sens triste, tu as le droit d'avoir ton petit moment où tu pleures, où tu te libères. Oui, mais Rose-Emmanuel, est-ce que ça nous aide à surmonter le décès, selon toi? Est-ce que ça nous aide vraiment à surmonter? Bien sûr. Est-ce que ça nous enfuit pas, au contraire, dans cette zone un peu, cette zone de confort où on s'est dit, bah, je suis bien en pleurant ma personne qui est décédée. Mm-hmm. Est-ce que ça ne nous garde pas dans cette zone de confort ou bien ça nous aide à sortir de cette zone de confort? Personnellement, ça aide à sortir parce que à un moment donné, tu, bien évidemment, comme tu as dit, tu vas te fatiguer, tu vas forcément te fatiguer de pleurer. Mmh. Et du moment où la personne, le fait de pleurer soulage, je comprends pas pourquoi elle devrait s'empêcher de pleurer juste parce que voilà, elle aurait peut-être honte de ce que les gens vont dire, etc. Mmh. Moi, pour ma part, je pense que le fait de pleurer soulage énormément le deuil. Donc voilà, pleurant. Pas tout le temps, quand même. Pas tout le temps. Pleurer. Ouais. Ouais. D'accord. Pas tout le temps. Et moi, je trouve que, bon, il n'y a pas un temps déterminé qu'on doit avoir pour pleurer. C'est du genre, tu pleures quand tu veux, quand tu peux, mais à un moment donné, ça va venir de toi. Ça doit venir de toi que voilà, je ne peux plus pleurer, c'est bon, j'ai compris, j'ai reçu le message, je passe à autre chose. D'accord. Mais de temps en temps, ça va te revenir. Ouais, il y a des petits souvenirs comme ça. Mmh. Ouais. Achille. Je veux dire, il y a une différence entre couler les larmes, je veux dire, pas couler les larmes physiquement. Mais en mode, genre, tu as cette pensée-là et puis tout de suite, tu te mets à pleurer et t'essaieras en te remémorant, mais j'aurais aimé que la personne soit là. Et il y a le pleurer du chagrin, c'est vraiment le truc en mode, tu es en train de faire quelque chose et puis là-haut aussi, papa était là. Et puis genre, par exemple, je sais pas, tu devais présenter une émission, par exemple, et t'essaieras, on a besoin que tu sois au meilleur de ta forme. Et là, tout de suite, cette chose te vient et tu es effondré maintenant, au point où tu pleures pas pour te soulager. Tu pleures en mode c'est fini, ma vie, papa n'est pas là, maman n'est pas là. En fait, c'est vraiment à ce niveau-là que je vais mettre une nuance. Oui, on pleure pour se soulager, mais ce n'est pas la qualité des pleurs où tu vas emmagasiner le chagrin au point où ça va te démonter. Mmh. Je pense qu'à un moment donné, on doit garder les bons côtés de la personne. Personnellement, chacun vit sa douleur à son niveau. Mais oui, les gars, tu pleures parce que maman n'est pas là. Mais qu'est-ce qu'elle aurait été, qu'est-ce qu'elle aurait fait en fait? Parce que bah, ma maman, gloire à Dieu, elle est encore vivante et c'est quelqu'un de très taquin en fait. Donc je pense que ce que je retiens de ma mère, c'est toutes ces blagues et tout sur ma personne, et etc. qu'elle aimait me charrier. Donc en mode, il arrivera un jour, peut-être le cas où tu es en train d'aller te marier, ta maman n'est pas là. Tu peux pleurer le fait qu'elle ne soit pas là. Mais aussi, tu peux voir le bon côté des choses, mais te rappeler des bons côtés de la personne. Ouais, ces blagues, les petits moments de complicité et tout le reste, oui. Je pense que, Régis, avec le temps, la douleur s'atténue quand même. Mmh. Je pense pas que pas totalement. Le jour où tu as pleuré. Pas totalement quand même. Oui. Ouais. Bon, c'est pourquoi j'ai dit ça s'atténue. Ce n'est plus la même intensité. Mmh. Le premier jour ou après une semaine ou un mois et tout. Je pense quand même qu'avec plusieurs années, disons 15 ans, un an, c'est plus un simple souvenir, une satisfaction, comme un père qui donne peut-être le nom à sa fille, le nom de sa mère ou sa grand-mère, ça rappelle plus les bons souvenirs. Là, c'est le cas de Rose-Emmanuel qui a hérité du nom de son arrière-grand-mère. Aujourd'hui, quand on voit Rose-Emmanuel, par exemple, on voit plus, c'est plus un bon souvenir. Mmh. Voilà. Il voit plus sa grand-mère ou sa mère, par exemple. Mmh. Donc, il n'y a plus cette douleur-là qui ressort, je ne pense pas. D'accord. Avec autant de temps, 15 ans, 20 ans, quand même, il faut l'avouer. Quoi. D'accord. C'est là, au moins, c'est surmonté, quelque part. Mmh. Quelque part, c'est surmonté. Voilà. On va revenir avec cette rupture, mon cher David. Revenons un peu, quittons la ville, prenons la voiture, on va faire un tour au village, les amis. Et au village, par exemple, il y a des rites, il y a des traditions. Lorsqu'une personne est décédée, il y a un rituel qu'on opère pour rompre justement tout lien avec cette personne-là. Parce que oui, n'oublions pas qu'en Afrique, on a encore tout ce qui est mystique et tout. Et vous faites le constat un peu quand un bébé, un nouveau-né perd sa maman ou son papa. Il y a un rituel qu'on fait autour du bébé pour ne plus avoir cet attachement, pour oublier, entre guillemets, un petit peu ce mauvais souvenir-là. Est-ce qu'il faut aller aujourd'hui vers ça, quelque part? C'est-à-dire que quand on perd un proche, qu'il ne faut pas revenir un peu aux sources, à la base, à nos traditions, mon cher David? Bon, moi, je trouve que déjà, pousser quelqu'un à oublier
Non, pas totalement oublié, mais plutôt à surmonter, j'ai envie de dire. C'est peut-être ça le verbe qui s'y est, peut-être surmonter un petit peu. Bon, moi je suis pas très pour ce genre de choses. De pratique, d'accord. Voilà, je suis pas très pour parce que moi je me dis, c'est mieux de le faire soi-même. Parce que c'est ton père, il s'agit de ton parent, un membre de ta famille, quelqu'un de qui t'est vraiment cher. Et moi je trouve que c'est mieux de le faire soi-même. D'accord. Ça doit être fait soi-même. Dominique, un avis sur la question, la transition, dans le fait de surmonter la perte d'un être cher, de réussir son deuil, tout simplement? Je pense que c'est mieux de le faire au feeling. D'accord. Comme David l'a dit, si tu es pour ce genre de truc, vas-y. Et si non, non, n'y va pas. D'accord. Alors, Rose-Emmanuelle, il y a toujours, lorsqu'on perd une personne, il y a toujours des amis qui nous accompagnent, qui viennent avec nous pour nous aider à surmonter cette étape-là. Très difficile, ça, on le souligne, c'est important. Mais on a toujours cette phrase, les condoléances, c'est vrai, mais quand je te présente mes condoléances, je partage ta peine. Est-ce que cette peine se partage ou bien elle se comprend, selon toi, Rose-Emmanuelle? Est-ce qu'on peut partager la peine réellement de quelqu'un? Je pense que c'est plus dans le sens de comprendre, dans l'empathie, bien évidemment. Si j'ai une amie qui perd une maman ou un papa, forcément, je me mettrai à sa place si j'aurais mal comme elle. C'est vrai que je ne vais pas ressentir exactement ce qu'elle ressent. Ouais. Mais bien évidemment... Dans ce cas, tu ne partageras pas sa peine. Non, mais je vais la comprendre. Mais je vais la comprendre parce que si j'étais à sa place, normalement, j'aurais eu aussi énormément de chagrin comme elle. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est plus le fait de comprendre et non de partager. D'accord. Mais dans le sens où tu avais l'habitude de faire tes sorties avec cette amie-là et qu'avec ce décès, la personne est complètement anéanti. Est-ce que là tu partages toujours ou tu comprends toujours ou tu partages? Parce que je me dis, l'ami a un rôle à jouer. Peut-être je ne vais pas ressentir la douleur à 2000% comme toi, mais je vais le ressentir peut-être parce que j'ai connu la personne, mais surtout parce que je te vois, on partage des moments ensemble, ou bien imaginez un couple, on partage notre vie ensemble, et te voir en fait autant anéanti, ça me touche. Pas au même point que toi, mais je comprends et je compatis à ta douleur parce que au final, je suis cette personne-là qui sera là avec toi pour t'aider à surmonter la chose. Donc, d'une manière ou d'une autre, on vit le deuil ensemble. Quelque part. Ouais. Achille, toi, tu as la peine, tu la comprends évidemment. Tu comprends. Est-ce que c'est, tu t'es déjà retrouvé dans la peau de celui qui rassure, celui qui aide à surmonter, celui qui va venir consoler, j'ai envie de dire. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette position? Est-ce que c'est difficile de consoler une personne qui traverse une situation de deuil? Dire que c'est difficile, je ne pense pas, parce que dès lors que nous sommes passés par là, on ne peut pas être antipathique. Il faut toujours consoler la personne, parce que soit nous sommes passés par là, soit on est une personne de bonne foi, voilà. Mais est-ce que comment trouver les mots justes, les bons mots? Oui, parfois on hésite un peu pour ne pas être maladroit, pour dire quelque chose de pas bien placé, voilà, quand on est ami. Mais je pense que les mots justes, c'est quelque chose de naturel. On sait quoi dire à son ami, on sait quoi dire à sa... Ah non, on ne sait pas, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? David? Pour ma part, avec mes amis... Nous, on rit, on plaisante, on fait des blagues, on fait tout pour mettre la personne à l'aise, qu'elle ne pense pas... Pour sortir un peu de la tristesse, en fait. Voilà. D'accord. Je prends le cas, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a une amie qui a perdu son père. Et sur le coup, quand je l'ai appris, j'ai eu mal. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai eu mal parce que c'est quelqu'un de très important pour moi, bien évidemment. Et on avait toutes décidé, notre bande de copines, d'aller lui rendre visite. Et on n'est pas allé en mode triste, pleurer, viens, on va faire des câlins. Non, on n'a pas fait ça. On est allé et notre comportement qu'on a avec elle, d'habitude, on est juste allé pour faire oublier en fait
certes, quand on va partir, il y aura ce moment où elle va rester dans son coin, pleurer et tout. Mais le simple fait d'avoir tes amis à côté de toi, tes proches à côté de toi, qui te font rire, qui te font oublier ce mauvais moment que tu passes, c'est plus important que de venir et puis. Oui, parce que c'est vrai que parce que la personne qui est dans cette situation calque un peu sur vous. C'est-à-dire, si vous venez avec un air triste, évidemment qu'elle aussi, automatiquement, va. Alors que si vous venez avec un mood joyeux, une bonne ambiance, je pense que du moment que vous êtes là, elle passera quand même à autre chose. Mmh. C'est vrai qu'après, quand vous allez partir, elle va retourner dans son deuil, bien évidemment. Mais le fait, c'est de faire oublier à la personne. Parce que comme on l'a dit, il n'y a pas de mots justes. Tu ne sais pas quoi dire au moment précis. Ouais. Mmh. Et il y a des mots que tu penses juste qui sont mal interprétés. Oui, tout à fait. Parce que là, en ce moment, tu soignes des mots. Limite, oui. tu ne parles même pas. J'ai vu un témoignage, quelqu'un qui a dit, le pasteur, le jour-là, pendant le méli, pendant la cérémonie funèbre et tout ça, l'a dit, Dieu rappelle à lui les bons, plutôt. Ouais. Mais lui, ça l'a brisé d'entendre ça. En mode, mais attends, Seigneur, moi j'avais encore besoin de mon père. Ouais. Tu vois, le pasteur a peut-être dit ça dans le sens de consoler la famille, que ton père était une bonne personne. Mais lui, près de combien d'années plus tard, il a eu ça au travers de la gorge. Donc, trouver les mots justes, c'est pas facile. Et en parlant de deuil, parce que oui, David, je me tourne vers toi, je pense que vous êtes sûrement tombé déjà un petit peu sur ces dames. Le deuil en Afrique, c'est devenu, malheureusement, il faut le dire, c'est devenu un business aussi pour certaines personnes, parce que il y a des femmes qu'on appelle les pleureuses. Vous les connaissez très bien, les pleureuses. Exactement, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et un peu partout dans d'autres pays, au Mozambique aussi, elles sont présentes, en tout cas ces femmes-là. Comment tu analyses le phénomène, l'avènement de ces pleureuses sur le continent, des femmes qu'on paye pour venir pleurer lors des décès? Moi, je vois que c'est pas déjà honorable et c'est pas bien pour la personne qui est partie. Moi, je trouve que c'est mieux qu'il y ait des personnes qui le connaissaient réellement, qui pleurent parce que le défunt va manquer. Ouais. Parce que le défunt laisse un vide. Exactement. Voilà. Ouais. Moi, je trouve pas nécessaire d'emmener des gens pour pleurer. Ça fait comme un sketch, quoi. Ouais, je trouve pas ça Dominique. Nécessaire. Ouais, déjà, Rose Emmanuel, tout de suite, avant même de sortir le mot, elle avait les femmes. Tu les connais, toi, ces femmes pleureuses? Qu'est-ce que tu en penses? J'en ai entendu parler. D'accord. Et puis, dans des décès, notamment en Afrique, on sait qu'il y en a, bien évidemment. Et comme il a dit, je trouve pas ça sincère. Vous venez, déjà des personnes, vous connaissez pas le défunt ou la personne décédée, et vous pleurez, c'est pas sincère, c'est faux, c'est du cinéma en gros. Achille du cinéma. Bon, Régis, moi je savais pas que ça existait réellement. Ah, elles sont là, nos moments pleureuses. Oui, dans le crocodile, le crocodile de Botswana. Oui, oui. Justement, Régis, je savais pas que c'était réel. Non, c'est réel. Elles existent, les dames. C'est clairement une autodérision. Comment on peut... Pour moi, c'est pas des pleurs, en fait. C'est du cinéma. Tout à fait. Oui, et d'ailleurs, pour ceux-là qui... D'aucuns disent que ça manque de respect, un peu ce que David disait, manque de respect à la personne. Parce que... Non, Dominique, pas du tout. Je te sens un peu partagé. Non. Bon, écoutez, on est à plusieurs sur le plateau. On va pas tous aussi aller dans la même direction. Bah, tant mieux. Donc, nage à contresens. Dis-nous pourquoi. Bon, écoutez, déjà, dédicace à l'ethnie du sud, là, dont on va pas citer le nom. Écoutez, ça existe, c'est culturel. Enfin. C'est culturel d'avoir des personnes qui pleurent dans les décès. En mode, il y a souvent les belles filles, etc. Quand il y a un membre important de la famille qui perd la vie, qui décède et tout ça là, on amène tous les belles, je sais pas. Mais bon, en fait, pour toi, c'est culturel. Au moins, il n'y a pas de problème à ce niveau, c'est culturel. Bon exemple, il y a eu un décès dans ma famille. Ouais. On avait fait des tenues et tout ça là. Oui, mais est-ce que vous avez invité des pleureuses? Non, nous on nous a pris pour aller pleurer. Bon, c'est vrai que faire des pleureuses là. Malheureusement, on va s'arrêter là, Dominique, parce que oui, c'est assez compliqué. C'est la fin de cette émission, les amis. Nous sommes arrivés à la fin de Génération News. Donc, on remercie évidemment Dominique, étudiante en communication digitale. Merci d'avoir répondu évidemment à l'invitation de Génération News. C'est un plaisir. On remercie David, étudiant en commerce international. Première participation. Toujours un plaisir de t'avoir à nouveau sur ce plateau de Génération News. Et on remercie Rose et Emmanuel, étudiante en communication et médias. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Et on termine avec notre ami Achille. Achille, vous êtes juriste. Plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau de Génération News. Les amis, c'est la fin. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse dans Génération News. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.